Bon bébé, j'ai une autre énigme pour toi. Vas-y. Parce que déjà la dernière fois, c'était pas ça. Donc, un garçon de 13 ans, bon l'histoire elle est un peu triste. Hein. Ok. Un garçon de 13 ans est en voiture avec son père. Quand ils ont un accident, le père meurt, sur le coup. Et le fils est transporté en urgence à l'hôpital. Ok. Le meilleur chirurgien de l'hôpital est appelé en urgence pour l'opérer. Okay. Mais au moment où il entre dans la salle d'opération... Attends, c'est qui est mort? Le père. Le père. Ok. Père est mort, le chirurgien est à l'hôpital. En urgence, l'opérer, mais au moment où il entre dans la salle d'opération, il voit le garçon et dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. » Comment est-ce possible? Mais non, mais tu m'as dit le père, il est mort. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Le père, hein? Arrête de rigoler. Le père, il est mort dans l'accident avec son fils. Son fils, il va à l'hôpital, le chirurgien, il arrive, il dit « Je peux pas t'opérer, t'es mon fils. » Bah, il peut pas être son père, il se trompe de fils. Il est jumeau. C'est des jumeaux. Mais les jumeaux, ça change quoi que les jumeaux? Le père, il est mort. Bah, le jumeau peut avoir un jumeau dans la voiture. Bah ouais. Mais le père, t'as qu'un seul père, t'as pas deux pères jumeaux, non? Oui, j'ai compris. Alors? Bah ouais, ça peut arriver, hein. Tu disais? Un père. Un garçon de 13 ans. Bah pourquoi là? Est dans une voiture. Okay. Avec son père quand il est dans un accident. Le père meurt sur le coup. Mmh. Et le fils est transporté en urgence à l'hôpital. Ouais. Le meilleur chirurgien de l'hôpital est appelé en urgence pour l'opérer. Mais au moment où il entre dans la salle d'opération, il voit le garçon et dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. » Comment est-ce possible? Bah, je sais pas, le père il est mort, donc ça peut pas être son père. Et le chirurgien il va pour l'opérer, il dit que c'est son fils. Bah, le chirurgien il... Oh merde! Attends, en fait c'est pas son père, c'est son oncle. Mais t'es bête ou pas? Bah non bébé, c'est son oncle, t'as pas compris. Imagine c'est le frère et il se dit c'est comme mon fils. Comme mon fils pour moi. Par exemple quand ton père... Il a son oncle, bah son oncle il dit toi c'était mon fils non, aussi. Non, on n'est pas dans une famille comme ça. Là on est une famille du père et fils. Le père il meurt, ok? Il est transporté à l'hôpital, le chirurgien arrive. Il dit non écoutez je peux pas le transporter, je peux pas le faire parce que c'est mon fils. Mais pourquoi? Bah je sais pas, ils étaient gays les deux et puis ils ont adopté un fils. Et puis en fait c'est son père parce qu'en fait il y a deux pères maintenant dans les gays. Je te jure il y a deux pères dans les gays. Et maintenant on fait ah oui mais oui mais oui. Alors attends, il y a un couple de gays, père et père, t'es d'accord? Parce que maintenant il y a ça, ils peuvent adopter un enfant, et en fait, le père qui est mort, il y a un autre père, puisque c'est deux gays qui ont un enfant, c'est un père et un père. Et pour ça qu'il dit, c'est mon fils, parce que lui aussi c'est son, tu vois? Tu veux la réponse? Donc le petit il est fils. Tu veux la réponse? Vas-y. Tout simplement c'est sa mère. Hein? Le chirurgien, c'est sa mère. Le chirurgien, c'est un chirurgien. Alors c'est une chirurgienne, pas un chirurgien. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était une femme dès le début? Je t'aurais dit que c'était sa mère. Une chirurgienne. Bah oui. D'accord. Bah comme une vétérienne. Comme une policière. Avec E à la fin. Nico, une pompière. Nico. Perigosa. Se não fugir, ela vai me matar. Perigosa.